Alors, si la nourriture sert de base pour tous, de revenu inconditionnel, sans condition, gratuit pour tout le monde, de la naissance jusqu'au décès, alors tout devient gratuit dans les supermarchés, tous les services, tous les métiers, toutes les prestations, toutes les offres toute l'offre et la demande deviendront gratuites. Et par exemple, si tout ce qui va une Ferrari, ben, la Ferrari est gratuite, ben, il suffirait que si tu veux une Ferrari, aille aider les constructeurs, les ouvriers, les techniciens dans l'usine, et si ça accélérerait la fabrication, et la Ferrari, comme ça tout le monde aura ce qu'il veut. Ou par exemple, si tu voudrais le nouveau smartphone, ben, il suffirait qu'ils aillent tous en Afrique aider les Africains à creuser dans les mines de coltan, ça ferait au moins de blessés ou moins de morts. Et vu qu'en creusant nous-mêmes, on connaît mieux les normes de sécurité de travail, et donc, alors que eux, personne ne les contrôle et ils risquent leur vie tous les jours. Pareil pour tous ceux qui voudraient les derniers maillots de foot ou les dernières chaussures Nike ou Adidas, on n'a qu'à tous aller en Inde ou en Chine ou en Asie du Sud-Est, aller aider les ouvriers à coudre et à produire toutes les chaussures et vêtements. Ou pareil, tout ce qu'ils veulent, par exemple que les hôpitaux travaillent mieux, ben, on a qu'à tous aller donner un coup de main aux infirmières et aux soignantes, et en même temps on apprend sur le tas, on apprend sur le terrain, et ça permet à tout le monde de se former aux gestes de premier soin, de premier secours, ou mais comme les maisons de retraite manquent de, entre guillemets, de main d'œuvre, ben, allons-y, vu que au moins ça aide l'humanité, mais ça aide les personnes âgées. Et pareil dans les crèches, au moins d'être un égoïste ou un sale type, ben, tout le monde sait s'occuper des gamins. Ou si on n'a qu'à apprendre sur le terrain, il y a forcément quelqu'un qui peut nous apprendre. Ben, partageons la connaissance, le savoir, les savoir-faire. Mais normalement, l'humanité devrait progresser. Enfin, c'est encore des pistes de réflexion. Il y en a qui ont proposé des solutions probablement, mais rien suffirait. Il suffirait que les politiques ou les décideurs ou les influenceurs parviennent à convaincre de plus en plus de monde pour que tout cela se mette en place. Parce que si tout le monde attend le changement, ben rien ne va changer. Faut bien commencer quelque part.